Alors j'ai avancé un peu le temps de refaire une petite session. On va relancer les fabrications. Il n'y a plus de bois, ok. Tout ce qui reste en bois? Oh, on va dire. Va vraiment falloir que je fasse une bonne grosse session farm. Ouais, viande cuite à la cheminée. Hop. On lance tout, hein, bien sûr. Donc j'ai récupéré quelques ravitaillements, donc voilà. Deux pistolets, un fusil à pompe, tout va bien. Non, je ferais mieux de diviser et d'en garder un peu, hein. Ça fera l'affaire. Le minerai, ouais, c'est pareil. Bon, je récupérerai ça plus tard. Donc j'ai fini le petit pont, la petite maison là qui va bien. J'ai préparé ma zone pour faire des kibbles plus tard. Donc il y a les carrés potagers sont déjà installés, hein. On a un joli petit espace pour ne plus laisser traîner nos dinos. Ça tombe bien. Mince, oh la bêtise. La bêtise. Hop. Je suis allé trop loin. Non, pas tout divisé, non pas un seul, pas. Pas de moitié. Bon, après ça va, j'ai assez de viande, donc j'ai pas lieu de m'inquiéter. Ça sera très bien. Voilà, 437. Le reste va pourrir. On a récupéré une gourde en polymère aussi. Hein. Donc mes pteras sont là-haut. J'ai fait une jolie petite trappe. Je me suis bien amusé. La barre qui va nous servir au timing, et c'est parti, on va aller chercher un joli petit oiseau. Bon, pourvu qu'on croise pas une baleine. Est-ce que je peux couper par là? Non. Aïe! Alerte à la baleine!
Un Yeti, un mammouth. Aïe! La baleine, fous-moi la paix! Je t'ai rien demandé! Abandonner le navire! Récupérez ce que vous pouvez! Solbet! Oh! Elle a bloqué! J'ai réussi à la parer. Coup de chance. Zou, sale bête. Fuis. Je ne veux point te voir. Meurs. Meurs, tu comprends, meurs. La paix à mon bateau. C'est ma plus grande réussite. Votre raft est mort. Sale bête. Nous voilà à poil. Sans rien. On a pu sauver quelques petits trucs, mais très léger. Va vraiment falloir qu'on t'aime un argent ta vie, en fait. Pourvu qu'un requin ne nous dérange pas. Parce que là, je vais perdre gros, j'avais misé énormément sur mon bateau. De la pierre, je crois même que c'est du pétrole, ça. Ah ouais. Bon, bah, on aura gagné un peu de pétrole si on arrive à survivre. Ah, il se bat avec un sanglier. Ah bah, de l'obsidienne, allez hop. Le bleu, il est beau. Hein. Il est que niveau 5. Donc S, c'est les mutations. Allez bouffer le premier argent de ta vie, sinon il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Je ne suis pas jaloux. Hop, bois, stockage. Oh merde, c'est de la fibre qui me manque.
Maman! Je suis pas là! What? On se calme. Allez, j'ai tué le R-Rex. Un sur deux. Fallait pas laisser dépasser la truffe. Femelles sont... Putain, allez. Sentez le coup d'épée dans l'eau. Je vais tenter le tout pour le tout, hein. Si je veux avoir un Rex, c'est peut-être l'occasion. Ça va faire de la munition, hein. C'est moi qui me vous le dis. Hein. Même si à la base je partais pour un argentavis, un Rex, on dit pas non. Surtout 125, c'est pas dégueu, hein. Aïe. Merde. Le jeu il a planté. Bah je croyais que les dinos étaient plus intelligents. Et bah j'ai pas l'impression. Allez, on monte la torpeur, allez, allez. Tu manges pas le cadavre de ton pote, hein, j'en aurais besoin pour ta mère. Oh, c'est ton Dax. Allez, viens. Tiens, hop, dans la ganache. Ah, bah zut. On va retourner sur le corps, même si ça fait moins. On va dire que c'était vraiment pas prévu au programme, ça. Moi, ce que je voulais à la base, c'était un argentavis, pas un Rex. Vu le niveau du Rex, faut pas dire non. Le fusil, il y a de la marge. Parce que je serais venu en conséquence. Allez, on aura fait la moitié déjà. Bouka. C'est bien, t'as bugué, tu arrives même pas à me toucher. Allez. C'est tant d'axes, mais ça passe.
Hein, tu vois la seringue dans le derrière, hein? Sale bête! Si le Rex fait demi-tour pour essayer de me bouffer, voilà, tout ce que je pensais. Allez, ramène ton boule! Mais non, tu t'es bloqué! On rajoute un peu de torpeur quand même. Allez! Viens par là, sale bête! Eh bah, t'es pas un génie! Plus que ça, toi! Bon, t'as fini de faire la natation, là? Hein? On a un combat à terminer, sale bête! Allez, vas-y, tu tiens le bon bout. Regarde, il y a un grand espace. Allez, viens, hop, hop, hop. Allez, viens me rejoindre. Eh oh! Ouah, le jeu, il a phase. Je sais que tu rêves de me croquer. Alors fais le nécessaire pour. Oh. Allez, c'est par ici que ça se passe. Allez. Allez, si tu veux un morceau de mon gras, vas-y. Amène-toi. Moi, je t'attends. Regarde. Mais non, mais là, après, tu vas te noyer, Gilbert. Ça, ça pue, cette affaire. Ah ouais. Alors, attends. Allez, ramène ton boule maintenant. Ton ennemi, c'est moi. Allez. À la place de vouloir faire de la natation, là. Eh, je suis ici, hein. Oh bah, il est mort. Ok, bon, bah, ça c'est fait. J'ai gâché des munitions pour rien. Alors, c'est pas grave. M'apprendra à pas être assez réactif. Hein. Alors, il me faut ci, il me faut ça. Il me faut au moins pour faire un petit stockage. Des bras de T-Rex, ouais, pourquoi pas. Oh, ils m'ont défoncé, ok. Ouais, oh, ça va. Il y a pire. Débranchage. Hop. Ça là. On va en mettre un autre.
Bon, j'aime les plans qui se déroulent jamais comme il faut. De toute façon, bienvenue dans Ark, c'est toujours ça. On en est habitué de toute façon. Non, ça faut que je les garde. Ça, je peux jeter. C'est le jeu. Alors. Hey, ils ont bouffé mon argent Tavis. Bon, après, il y en avait là-bas. Pourvu que l'alpha ne l'a pas croqué non plus. Vu ma chance. Trop proche de fondation ennemie. Ah ouais. Comment on fait pour mettre en libre? Quelqu'un saurait comment mettre ça en libre? Non, ça c'est posé. Ça c'est retiré. Ok. Non, ça c'est sifflé. C'est pas cool mon argent Tavis. Ah bah voilà. Je vais me foncer. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais tant pis. Une porte là. Je l'ai vu là-bas l'argente. Même si j'ai pas vu le niveau, je sais que ça va être celui-là. Pas le choix d'avancer. On va mettre des barreaux. En pierre, de préférence. Bois, pierre, branchage. Ok. Branchage. Bois. Et bien encore bois. Et pierre. Je vais avoir assez de bois. L'impro, messieurs, l'impro, au final. On s'est fait poursuivre par un Rex, enfin deux Rex. Maintenant, c'est ça. Mais c'est quoi le suivant? C'est l'alpha qui va venir nous dire bonjour pendant le timing? Je dis pas ça, ça va m'attirer la poisse. Le jeu arrive à entendre des choses. Pour rappel, hein. Quarante-cinq, bon bah moi ça me va. Hein. Ça me va même très bien. Ça va pallier tout ça. J'aurais préféré choper mon Rex, mais bon.
Il a décidé de nager. Hop, hop, hop. Comme ça, on est sûr que ça ne peut pas sortir. Et par mesure de prévention, ce qu'on va faire... C'est rajouter ça. Comme ça, on a un joli petit piège. Monter à l'arrache.com, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Le jeu nous crache dessus, c'est le cas de le dire. Ça c'est trop cool! Eh viens bébé Rex! Tu m'as l'air d'être très fut-fut. Ah, je l'ai loupé. C'est tendu cette affaire, ça va être tendu. Let's go! Allez, Pony Run! L'argent, tu vas pas t'attendre! Bon bah écoute, hein, tu veux fonctionner comme ça, y a pas de souci, hein. Mais reviens! Fais pas le con, Pony! Hop, allez. On va buter ce petit dino là qui nous sert à rien. La tête de pioche là. Mais non, ça c'est de la triche ça. Oh le carnot.
Laisse mon argent. Bon ben. Hop les, t'es en sécurité. Sauf si tu décides de monter. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouf, sauvé. Non, c'est bon, il se considère pas noyé. Avec ma chance, on l'a fait. Ah oui, il est en train de me déplumer mon argent. T'as pas compris? Meurs, sale bête! Meurs! Meurs! Je te veux pas! Je veux juste ta viande! Ah oh ouais, je peux transporter bébé Dino, oui! Je te level up, hein. On va mettre le bébé à l'abri, hein. T'es bien là-haut. Faut que je grimpe mon niveau, moi. Alléluia, l'argent ta vie sort gagner un niveau. Ma maison.
Et regardez les herbivores. Je vais vous ramener un pote dans quelques temps pour vous faire les michouis. L'autre, il s'est lâché sur ses brontos, là. S'il y en a de plus en plus. Eh bien. Mais. C'est bien, comme ça j'ai un bon argentavis. Enfin, un premier argentavis, pas un bon en particulier, mais. On va dire, il se défend. Je lui laisse de la viande comme ça. Ne saute pas, ne fais pas le malin. Et l'argentavis s'est posé, ça c'est bon. Non, moi j'aime bien la petite base là que j'ai construite. Par contre, faut que je regarde un truc. Structure fabrication. Le centre d'usinage, il me manque quoi? Poudre et pétrole. Bah, j'ai tout ce qu'il faut pour le créer. De la poudre d'étincelle. Pétrole, j'en ai en stock. Allez, on va... diviser de moitié. Comme ça, on va faire une moitié pour faire de la... de ça. Alors, on met ça. On va déjà créer... le centre d'usinage. Fabrication 1. On peut récupérer pendant qu'il se craft. Parce que bon, la poudre d'étincelle, elle me sert un peu à autre chose. On va le poser là, ouais, je pense, ça va être très bien. Ou soit l'étage. Attends, moitié dehors. Non, on va le mettre là, ouais, c'est plutôt cool. La poudre d'étincelle là, on va récupérer pour refaire des balles. Ça c'est bienvenu, ça aussi. Comme ça, si on a des selles spécifiques à faire, on peut les faire.
Qu'est-ce qu'il va là-dedans? Ça, 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 ça aussi, ça aussi. Ça, toi, tu vas là. Les bras de T-Rex, on peut les mettre là. Ah, si, il y avait de la chitine. Ça, c'est toujours utile. Alors, toi, tu vas ici. Toi aussi. On peut en mettre une autre en bas. Peut garder quelques fléchettes quand même. Tout ce qui est construction, ça va là. Les pots de narco. On va les mettre là. Et bah voilà. Ouais, je pense qu'on va se laisser pour cet épisode, hein. Je crois qu'il était pas mal. Je m'occuperai du reste en off. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien en attendant. Salut!